vous salue fraternellement et je vous souhaite un bon sabbat en Jésus-Christ. J'espère que malgré les mesures de confinement, eh bien, que vous vous portez bien et que vous êtes eh bien, content d'être en Jésus et de le servir. Alors, lorsque nous lisons la Bible, lorsque nous étudions la parole de Dieu, il y a une certitude qui se dégage de cette lecture. Il y a une certitude qui se dégage de cette étude. Car on réalise en lisant eh que nous avons affaire à un Dieu qui n'abandonne jamais son peuple. Un Dieu proche, un Dieu présent, présent au milieu de son peuple. Je dis que lorsque nous considérons les Saintes Écritures, eh bien, on découvre un Dieu qui ne néglige jamais ses enfants. Et cela, nous le voyons dans l'Ancien Testament à travers les patriarches à travers les prophètes. À travers les juges, mais nous le voyons également dans le Nouveau Testament, mais là, d'une manière plus profonde, d'une manière particulière, parce que là, eh bien, nous le voyons à travers le Fils bien-aimé, à travers le Fils de la promesse, à travers Jésus, qui d'ailleurs fut annoncé comme étant Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, nous constatons que Dieu a toujours été présent. Il a toujours été avec son peuple, il a toujours été proche de son peuple. Et Jésus, eh bien qui savait que son heure ne tarderait pas à venir. Jésus qui savait que bientôt il serait arrêté et que bientôt il serait crucifié, mais également qu'il ressusciterait des morts et montrerait s'asseoir à la droite de la majesté divine, il dit à ses disciples, ce que je vous invite à lire avec moi dans l'Évangile de Jean au chapitre 16, les versets 5 à 7. L'Évangile de Jean le chapitre 16, les versets 5 à 7. Il est dit ce qui suit, maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Je vous invite à prier avec moi. Notre Père et notre Dieu, nous avons ouvert ta parole. Parle-nous, s'il te plaît, au nom de Jésus. Amen. Ici, nous voyons que Jésus, il s'entretient avec ses disciples et il leur dit... Bientôt, vous ne me verrez plus. Bientôt, je ne serai plus parmi vous. Bientôt, je ne serai plus physiquement avec vous. Parce que je m'en irai. Parce que je laisserai la terre. J'irai vers mon Père. Néanmoins, il vous est avantageux que je m'en aille. Il vous est avantageux que je parte. Parce que je vais vers mon Père. Je vais vers votre Père. Et vous savez, eh bien là-haut, je lui montrerai mes mains ensanglantées. Je lui montrerai mes pieds percés. Je plaiderai pour vous, j'intercéderai pour vous, oui, là-haut, je recevrai vos requêtes, je recevrai vos prières, oui, bientôt je m'en irai, bientôt je partirai, mais sachez une chose, bien que je m'en irai, bien que je partirai, vous ne serez pas abandonnés, vous ne serez pas négligés, vous ne serez pas seuls, vous ne serez pas livrés à vous-même, oui, bientôt je m'en irai. Bientôt, oui, je laisserai la terre, mais je ne vais pas vous laisser enferler. Non, parce que je vous enverrai un représentant, je vous enverrai quelqu'un, je vous enverrai un être tout aussi puissant que moi. Je vous enverrai le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité, et c'est lui qui sera désormais avec vous. C'est lui qui vous accompagnera. Oui, et il vous conduira dans toute la vérité. Il vous rappellera les choses que je vous enseigne. Il vous parlera de ma part. Il continuera le travail commencé avec vous. Il vous enseignera les choses que vous ne pouvez comprendre aujourd'hui. Oui, il vous parlera de ma part parce que lui et moi formons qu'un. Lui et moi parlons le même langage. Nous partageons la même vision. Oui, bientôt je partirai. Bientôt je m'en irai. J'irai vers mon père. Bientôt vous ne me verrez plus. Mais sachez une chose vous ne serez pas orphelins. Non, vous ne serez pas seul parce que l'Esprit Saint viendra à vous. Oh, permettez-moi de vous dire en ce matin que s'il est vrai que Jésus n'est plus physiquement parmi nous, s'il est vrai qu'il est monté au ciel, euh, s'il est vrai qu'il est assis à la droite de la majesté divine, il est aussi vrai qu'il ne nous a pas abandonnés. Mm -hmm. Non, il ne nous a pas abandonnés. Jésus ne t'a pas abandonné. Non, il ne t'a pas abandonné au problème que tu rencontres au sein de ton foyer. Non, malgré tes problèmes financiers, malgré tes problèmes de santé, malgré tes difficultés, pardon, sache... Ça qu'il ne t'a pas abandonné, non. Il ne t'a pas abandonné, non. Mais Jésus te dit, je sais que les épreuves auxquelles tu fais face en ce moment, eh bien, sont très difficiles à supporter. Je sais qu'en ce moment, tu passes par de nombreuses péripéties et que tu as l'impression d'être seul, seul face à toutes tes difficultés, seul face à tous tes problèmes, seul au milieu de la tempête, seul en plein désert. Mais sache que je ne t'ai pas abandonné. Non, tu n'es pas enfonné parce que je t'ai donné pour accomplir ce dernier voyage. Car j'ai mis à ta disposition pour effectuer ce dernier voyage un puissant support, un puissant défenseur, un puissant protecteur, un puissant consolateur, un puissant soutien, un puissant ami, l'Esprit de vérité, le Saint-Esprit. Oui, le Saint-Esprit est celui qui nous a été donné. Pour que nous puissions accomplir ce dernier voyage. C'est lui qui nous a été donné pour que nous puissions effectuer cette dernière ligne droite. C'est lui qui nous a été donné pour que, malgré la tempête, malgré l'orage, Malgré les turbulences, malgré les pannes de moteur, malgré les, le manque de carburant, que nous puissions tout de même atterrir à l'aéroport du ciel, oui, c'est lui qui nous a été donné afin que nous soyons bénis par sa présence et que nous soyons des chrétiens victorieux. Je dis amen pour cela. Donc nous voyons que Dieu, eh bien, il a toujours été avec son peuple. Il y avait les patriarches, il y avait les juges, il y avait, il y a Jésus. Et pour les temps de la fin, le Saint-Esprit. Mélisez avec moi ce qui est dit dans Jean au chapitre 14, les versets 16 et 17. Jean, le chapitre 14, les versets 16 et 17. Jean, le chapitre 14, les versets 16 et 17. Il est dit ce qui suit Et moi, c'est Jésus qui parle, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Jésus dit à ses disciples, aujourd'hui, le Saint-Esprit demeure avec vous, mais bientôt, il sera en vous. Par conséquent, nous comprenons que si nous voulons bénéficier pleinement du don du Saint-Esprit, qu'il est avantageux pour nous, non pas qu'il soit avec nous, non pas qu'il demeure près de nous, non pas qu'il soit à nos côtés, mais qu'il soit en nous. Oui, si nous voulons effectuer ce dernier voyage avec succès, si nous voulons effectuer cette dernière ligne droite avec succès, si nous voulons être des chrétiens victorieux, si nous voulons assurer notre atterrissage, si nous voulons rester sauvés, si nous voulons vraiment être comme Jésus, si nous voulons être abondamment bénis, si nous voulons dire non aux relations sexuelles illicites, si nous voulons être sages dans toutes nos décisions, si nous voulons avoir une jeunesse épanouie, eh bien, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin que le Saint-Esprit vive en nous. Nous avons besoin qu'il établisse sa demeure en nous. La question est la suivante. Mais que faire pour que le Saint-Esprit demeure en nous. Regardez avec moi dans Actes, au chapitre 1er. Actes, le chapitre 1er. Regardez avec moi. Le livre des Actes, au chapitre 1er. À partir du verset 6. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël Et il leur répondit ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Hmm? Tournez-vous vers la personne qui est peut-être assise près de vous, même si elle est à un maître. Et dites-lui, vous recevrez une puissance. Dites-lui ça, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, même en Martinique. Verset 12. Alors ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute, où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélémy, Mathieu, Jacques, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, de commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici, nous voyons quoi Nous voyons premièrement que Jésus, il réitère la promesse de la venue du Saint-Esprit. Et les disciples, en attendant la manifestation, en attendant la réalisation de la promesse, la Bible dit qu'ils restèrent à Jérusalem. Ils restèrent à Jérusalem. Et on comprend euh, que les disciples, eh bien, à ce moment précis, ils étaient confiants. Qu'ils étaient sereins parce qu'ils avaient vu leur Sauveur ressuscité. Et ces paroles résonnaient à leur esprit. Vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Cependant, les disciples, on le voit bien, n'attendaient pas la réalisation de cette promesse en se tournant les pouces. Non. Ils n'attendaient pas l'accomplissement de la promesse en se regardant les uns les autres. Non. Mais la Bible dit. Car qu'ils ils attendaient ce que leur sauveur leur avait promis, le Saint-Esprit, qu'ils persévéraient dans la prière. Oui, et un auteur, Madame Mouet, elle déclare, eh bien, qu'ils confessaient leurs fautes. Qu'ils confessaient leur incrédulité, qu'ils ouvraient leur cœur à Dieu. Pendant ce moment, eh bien, ils élevaient la main de la foi. Oui, ils présentaient leur requête au Père au nom de Jésus. Ils s'humiliaient. Ils mettaient de côté leurs différences. Ils ne désiraient plus la suprématie. Ils ne recherchaient plus les premières places. Non, mais ils s'unissaient étroitement dans la communion fraternelle. Ils cherchaient Dieu. Ils réalisaient combien grand était leur privilège, eux, pauvres pécheurs, de pouvoir s'associer. D'une manière aussi intense avec leur Sauveur. Donc, ils réalisaient qui ils étaient réellement et ils ne perdaient plus longtemps dans des conversations futiles. Non, mais ils se consacraient à chaque instant au Sauveur. Oui, si nous voulons que le Saint-Esprit établisse sa demeure en nous, si nous voulons que le Saint-Esprit habite en nous, si nous voulons posséder la puissance du Saint-Esprit, qui, entre parenthèses, ne se trouve pas tant dans la capacité eh bien, à guérir des maladies, à faire des choses extraordinaires, mais dans le caractère de Jésus, eh bien, il nous faut attendre la promesse dans un esprit qui favorise la venue du Saint-Esprit dans nos vies. Par conséquent, attendons la venue du Saint-Esprit dans nos cœurs, dans un esprit de prière, dans un esprit d'humilité, dans un esprit de sacrifice dans un esprit d'abnégation, dans un esprit de pardon, dans un esprit de repentance, dans un esprit de service, dans un esprit d'amour, et puis consacrons-nous à lui. Donnons-lui notre jeunesse, donnons-lui notre vieillesse, donnons-lui notre corps comme résidence. Oui, attendons la manifestation de la promesse dans un esprit qui favorise la réalisation de cette promesse. Je dis amen pour cela. Mais considérez avec moi. Le deuxième chapitre du livre des Actes, le premier verset. Actes, le chapitre 2, le premier verset. Le livre des Actes, le chapitre 2, le premier verset. Il est dit ce qui suit. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui de vent impétueux, et il y remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun du verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Que voyons-nous ici Jésus, rappelez-vous, il avait dit à ses disciples qu'ils partiraient, qu'ils laisseraient la terre. Mais il leur avait également dit qu'il n'allait pas les abandonner, qu'il ne serait pas seul. Parce qu'il leur enverrait le Saint-Esprit. Et que désormais, le Saint-Esprit eh serait avec eux. Et là, que voyons-nous Eh bien, nous voyons tout simplement que Jésus, il a tenu sa promesse. Oui, puisque la Bible nous dit que les disciples furent tous remplis du Saint-Esprit. Par conséquent, nous comprenons que lorsque Dieu promet quelque chose, lorsque Dieu promet quelque que soit la chose, lorsque Dieu fait une promesse, lorsque Dieu dit qu'il fera quelque chose. Nous pouvons être sûrs qu'il honorera, qu'il respectera, qu'il tiendra sa promesse, oui, lorsque Dieu fait une promesse. Lorsque Dieu promet quelque chose, lorsqu'il dit qu'il agira de telle ou de telle autre manière, nous pouvons être sûrs qu'il honorera, qu'il respectera, qu'il tiendra sa promesse. Par conséquent, si Dieu, à travers sa parole, il a promis de te dire, s'il a promis de te soulager de toutes tes afflictions, s'il a promis de te délivrer, s'il a promis de t'accorder sa sagesse, le discernement, par exemple dans le choix de partenaire, un partenaire de voyage, s'il a promis de t'assister, s'il a promis d'être avec toi en permanence, si Dieu t'a fait une promesse, même si tu ne vois rien venir, même si tu ne ressens pas sa présence, même si ça fait des années que tu vis la même chose, même si c'est difficile, pénible et douloureux, sois certain qu'il honorera. Il respectera et qu'il tiendra sa promesse parce que ce n'est pas Pasteur ce qui t'a parlé, mais Dieu, notre Dieu, il n'est pas un homme pour mentir. Non. D'ailleurs, permets-moi de te dire que le Seigneur, il voit ta souffrance, il entend tes crimes, il connaît tes douleurs. Et selon le livre de l'Exode, au chapitre 3, au verset 8, il ne s'arrête pas là à entendre, à voir, euh, euh, à connaître. Non. Parce que le verset 8 nous dit que non seulement il entend, non seulement il voit, non seulement il connaît, mais il nous a dit qu'il descend, qu'il descend pour apporter la délivrance. Amen. Le Seigneur, il tient grâce ses promesses envers nous. Et au-dessus de toute requête, si nous lui demandons son esprit, si nous lui faisons part de notre désir que le Saint-Esprit habite en nous, si nous disposons nos cœurs, tout comme il l'a fait pour les disciples de l'époque, eh bien, tout comme il l'a fait pour eux, il le fera également pour nous, les disciples des temps de la fin. Il le fera pour nous, parce que la Bible dit dans l'Évangile de Luc, au chapitre 11, le verset 13. Et je vous invite à lire avec moi l'Évangile de Luc, le chapitre 11, le verset 13. Il est dit ce qui suit. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent oh, chers amis, le Saint-Esprit est celui qui nous a été donné pour cette période de l'histoire du monde. C'est lui qui nous a été donné pour cette temps de la fin. Prions pour la venue du Saint-Esprit dans nos cœurs. Demandons-le à Dieu. Demandons-lui de nous aider à disposer nos cœurs pour sa venue. Oui, et permettons au Saint-Esprit d'être le pilote dans nos vies. Permettons-lui d'être le commandant à bord. Et si nous le faisons, eh bien, nous pouvons être assurés qu'aucune tempête, qu'aucun orage, aucune turbulence, aucune panne de moteur, aucun manque de carburant ne l'empêchera de nous conduire à l'aéroport du ciel parce que cette compagnie avec laquelle nous voyageons, elle possède le meilleur pilote, le meilleur navigateur, le meilleur aviateur qui ne sera jamais déclassé, le Saint-Esprit. Mes bien-aimés, je vous propose, et bien maintenant tout simplement, de prier et de demander à Dieu de nous aider, parce que sans son esprit, nous sommes perdus. Prions ensemble. Notre Père et notre Dieu, merci pour ta parole en ce matin. Merci de nous rassurer, de nous faire savoir que tu ne nous as pas laissés seuls. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Non, tu ne nous as pas abandonnés. Parce que tu as envoyé le Saint-Esprit qui est là pour nous conduire dans toute la vérité, pour nous réconforter, pour nous consoler. Aide-nous, notre Père, à disposer nos cœurs pour... Qu'il ne soit pas simplement à côté de nous, mais qu'il soit en nous. Et certainement, eh bien, nos vies seront transformées, nos caractères seront transformés, et nous pourrons rester sauvés. Bénis chacun d'entre nous d'une manière particulière, et accorde-nous ta paix, ta force, ton discernement, ta sagesse, ton amour. Et ton esprit, au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse.